Madame Matos, aujourd'hui, je vais vous présenter comment je vais partager une pizza avec toute ma famille, avec Matthew, avec Lucas et avec Monsieur Matos. Hier, on a divisé la pizza en demi comme ça. J'ai partagé un morceau avec Matthew et j'ai mangé un morceau moi-même. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de refaire une pizza et je vais partager avec Lucas et Monsieur Matos aussi. Mais comment est-ce que je peux faire ça? Hier, j'ai commencé avec un entier, répété entier. Puis, j'ai trouvé le milieu de ma pizza et j'ai coupé en deux morceaux égaux. Ce morceau s'appelle, qui se rappelle? C'est ça, un demi. J'ai partagé un demi avec Matthew et un demi, c'était pour moi. Aujourd'hui, je vais refaire la même chose. Je vais diviser ce demi et ce demi également pour partager avec Monsieur Matos et avec Lucas. Alors, regarde ce que je fais. Je prends ce demi et je vais couper au milieu pour que les deux morceaux soient égaux. Parce que ce n'est pas gentil si je coupe un petit morceau comme ça pour Lucas et je donne ce grand morceau à M. Matos. Ce n'est pas juste, ce n'est pas gentil. Alors, je dois trouver le milieu. Je vais faire une estimation pour bien couper. Encore, je vais emprunter mes ciseaux parce que les ciseaux sont plus faciles à couper la pizza. Alors, j'espère, oui, j'essaie de couper. Je coupe le demi en moitié et regarde ce qui arrive. Un quart. Voici un quart de ma pizza. Un quart font un demi de la pizza. Alors, je vais refaire la même chose avec ce moitié, ce demi, pour couper en quart. Encore, mes amis, voici un quart, voici un quart. Alors, quatre quarts font un entier. Une pizza entière. Alors maintenant que mes morceaux sont divisés en quatre morceaux égaux, je suis prête pour partager avec ma famille. Je vais donner un quart à Matthew, je vais donner un quart à Lucas, un quart à Monsieur Matos et un quart à moi. Alors je pense que tout le monde a faim, je vais les appeler. Matthew, Lucas, Monsieur Matos, la pizza est prête! Un quart pour toi, Matthew. Merci, maman. Un quart pour toi, Lucas. Merci. Un quart pour toi, Monsieur Matos. Merci. Et un quart pour moi. Bonne journée, les amis. Au revoir.